Salut à tous, c'est Lund et aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de notre quatrième DLC sur Borderlands 1. Donc logiquement ce sera la dernière vidéo sur, sur ce jeu, hein, sur Borderlands 1. À moins que je trouve autre chose à faire dessus, mais ça m'étonnerait. Vu que le jeu, ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti. Peut-être à la limite Chromerax, mais je l'ai jamais tué. Même avec mon personnage principal qui est au niveau max, donc je ne sais pas vraiment... s'il y aura d'autres vidéos, normalement non. Et je tenais à faire ce dernier épisode avec mon pseudo. Parce que c'est voilà, quand même. J'ai fait quasi. Enfin, j'ai fait tout le jeu normal et les DLC avec vos pseudos. Je voulais au moins faire ce dernier épisode avec mon pseudo. Donc voilà, désolé aux autres, mais voilà. Et donc. On va voir, alors les quêtes j'avais dit, ouais il y avait deux quêtes secondaires, et ok ouais, deux quêtes secondaires à faire, et après il y avait la quête principale, avec le module Accra. Donc hop, on va tout de suite y aller. Donc là on va tuer les bandits de Default et Default lui-même. Donc ça c'était dans la zone de l'usine. Je sais pas si vous vous souvenez, sur la fin, il y avait un endroit où il y avait des bandits qui combattaient avec des claptraps. Et donc, c'est dans cette zone-là, enfin, c'est à cet endroit-là qu'il y a donc les bandits de Default et Default lui-même. Donc allez, on va se dépêcher. Hop, hop, hop. Voilà. Plus qu'un petit bout à courir et normalement, c'est bon. Ouais, je vais jouer au sniper. Comme ça, je vais augmenter mes compétences au sniper. Ce qui sera utile pour le boss de fin. Parce qu'il est vraiment, vraiment méchant. Et d'ailleurs, je sais même pas si je vais réussir à le tuer du premier coup. Oups. Parce que d'habitude, je mets au moins 2-3 essais. Et le souci, c'est que ces 2-3 essais sont généralement... long, parce que il est long à tuer, et généralement quand on fail sur la fin. Hop, voilà, parfait. Donc, ça commence pour le mieux actuellement. Alors attendez, je regarde juste la map. On n'a pas le choix, faut passer par ici. Ok, je vais tenter de faire ça vite, histoire d'avancer plus rapidement. Déjà que la vidéo va être longue. Voilà, hop, ça c'est parfait. Ça c'est parfait. Ah, recharge. Hop, on passe comme ça. Voilà, parfait. Pour l'instant, tout se déroule pour le mieux. Pas de soucis là-dessus. Je sais même pas pourquoi il dit ça, mais bon. Alors attendez, je suis un peu perdu. Non, c'est bon. À droite, c'est le bon chemin. Donc là, normalement, il y a du claptrap qui va combattre du bandit. Donc il suffit de se cacher, normalement. Ou pas. Si. Ouais, si c'est bon. Non. Voilà, c'est bon. C'est bon, ils vont combattre les uns contre les autres. Donc là, il faut juste attendre qu'ils se foutent sur la gueule. Normalement, moi, je me taperai que les claptraps. Les claptraps restants après qu'ils aient tué les bandits. Parce que, petit spoil, normalement, c'est les bandits qui gagnent. T'as lui, il envoie des roquettes, du fou. Bon, par contre, c'est pas visé. Moi, pour le moment... pas de soucis, lui il tire sur les claptraps. Ah, il y en a un qui va arriver normalement. Non, voilà, on va commencer. Ah non, c'était un bandit. Hop là, ok,
Je vais récupérer, hop, la carte mère. Oula, j'ai eu un peu de mal ici. Mais on va réussir à se débrouiller. Allez, hop, toi tu meurs. Toi tu meurs, je dis. Toi tu meurs. Donc là, normalement, voilà, on va se taper. Hop, les claptraps. Et là, il reste plus qu'un bandit. Ah non, il reste pas qu'un bandit. Voilà. Et merde, il y en a encore. C'est con qu'ils soient pas tous sortis du premier coup, parce que sinon, ça m'aurait arrangé. Oh merde, c'est un kamikaze. Waouh. Je l'ai esquivé tout juste. J'étais pas sûr que c'était un kamikaze, mais... Hop. Et hop, voilà, parfait. Ah, il y en a encore, fais chier. Parce que ça aurait été trop long d'attendre qu'ils meurent tous. Hop. Voilà. Il y en a encore. Non, c'est bon. Du coup, je peux ramasser mes drops ici. Hop. Toi, ta bouche. Toi aussi. Il y en a un là. Ah, l'enfoiré, il a bougé au dernier moment. Voilà, le headshot qui passe bien. On est sur un... Enfin, je suis bon là aujourd'hui. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Hop, le câble. C'est parfait. Ça, c'est bon. Ça, c'est quoi? On s'en fout. Ok. Donc ouais, là on est bien, je suis sur une bonne journée là au niveau snipe, parce que généralement, ben, vous êtes habitué, généralement il y a des jours où c'est avec, il y a des jours où c'est sans. Là c'est un jour avec, donc tant mieux. Alors là normalement, derrière cette palissade, il y a des ennemis, voilà. Parfait, j'ai tué tous les bandits qui étaient nécessaires de tuer. Mais d'où ils sortent? Hop. Ah. En fait, j'ai parlé trop vite, je crois. Il ne restait qu'une balle, donc je suis obligé de recharger. Parce qu'il y en a d'autres derrière. Parfait. C'est ça qu'on veut voir. Alors, c'est... Oula, je suis bloqué. C'est parfait, on va pouvoir aller rejoindre la base de default. Et là, par contre, je sais pas si je le fais au sniper. Ça peut être un peu tendu. On a survécu à l'apocalypse robotique. On craint personne. Surtout pas les petites merdes comme vous. Maintenant, cassez-vous. Ou je vous flingue. Voilà. Je trouve classe les petites flèches vertes là. Ah bon, on s'en fout. Oula, j'ai perdu une balle pour rien. Attention. Voilà, parfait. Donc là, default, en fait, il faut attendre parce qu'il descend l'ascenseur. Donc en attendant, il faut pouvoir tuer un maximum de personnes. Hop. Parfait. Vous voyez, il descend l'ascenseur là. Et en attendant, il y a des ennemis du coup. Voilà, et le mieux, c'est de l'entamer le plus tôt possible, histoire de meurtre, voilà, et de évidemment faire des headshots. Et merde, voilà, hop, plus pas besoin de headshots, je l'ai déjà entamé, mais par contre c'est loupé. Voilà. Parfait. Tout se déroule bien. Ah voilà, enfin un effet élémental sur sa tête. Allez. Encore un et ça serait parfait. Voilà, parfait. Parfait, parfait, parfait. Tout s'est très bien déroulé. J'ai juste eu un petit problème, j'avais pas vu un ennemi à un moment. Où il m'a descendu mon bouclier, mais à part ça, tout s'est bien déroulé.
Du coup, on va pouvoir rentrer. Je vais où là, moi? Je vais n'importe où. C'est encore après, voilà, c'est ici. Allez, je vais me dépêcher. Je vais prendre ça pour aller un poil plus vite. Non, ça change rien. Non, c'est d'ailleurs, j'avais fait la remarque à l'épisode précédent. Allez, allez. En plus, on va pouvoir récupérer de l'argent là. Hop. J'ai pas tout pris, mais c'est pas grave. J'aurais peut-être dû attendre d'être totalement en bas pour le déclencher, mon hyperphase, mais bon, c'est pas grave. On gagne quand même du temps avec ça. Donc là, default, c'est fait. C'était un truc du panneau des primes, je crois, donc c'est cool. Du coup, il faudra aller dans la zone de la semaine passée pour aller tuer un ennemi, récupérer sa glande pour faire un parfum pour Marcus. Ouais. Parce qu'il a un rendez-vous galant. Donc on va faire ça et après on devra aller dans une nouvelle zone, la dernière, pour aller tuer le ninja, non, le claptrap ninja interplanétaire. Non, j'ai oublié un truc, il y a 4 lettres. Je sais plus. Minak, attendez, hein, c'était le... Ouais, je sais plus, c'est pas grave. Enfin, le méchant claptrap, voilà. Ça ira aussi vite de dire ça. Donc là, c'est dommage, on peut pas courir plus vite. Est-ce que je vais directement valider? Ouais, je vais directement valider comme ça. Je fais level up plus rapidement. Allez. Merde, non! Eh merde, je viens de le perdre bêtement. Je me suis gouré de touche. Je pensais que c'était F, mais non, c'est E. Allez, hop, tant pis, c'est pas grave. On va courir, hein, du coup. Enfin, ça change pas grand chose. Putain, je baille. Je suis crevé ces temps-ci. Et je sais que vous avez tous hâte d'être la semaine prochaine pour le quatrième DLC de Borderlands 2. Vous êtes nombreux, 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 nombreux à me le demander. Non, c'est pas ça, c'est ça. Mais vous en faites pas, hein, ça va arriver. C'est pour ça que là, je fais ce dernier épisode en une seule vidéo. D'ailleurs, merci à ceux qui avaient répondu aux commentaires à ma question. Parce que sur toutes les vues que je fais, il n'y a pas forcément tout le monde qui répond aux questions que je pose en vidéo. Du coup, merci à ceux qui se dévouent pour répondre. Parce que c'est toujours sympathique. Alors là, je vais faire un truc. C'est, je vais passer par le truc de la dernière fois. Parce que d'ailleurs je vais prendre le revolver parce que j'ai plus beaucoup de balles. Je vais passer par ici, comme ça j'esquive tous les hyménoptères qui sont assez fatigants. Et comme il faut tuer des skags, normalement je les ferai au retour. Alors là, hop, je récupère juste des munitions et là je tombe sur des armes qui ont l'air vraiment pas mal. Hop, excusez-moi. Voilà. Tiens, hop, ça me fait des munitions en plus, donc ça c'est vraiment cool pour le sniper. Donc lui là-bas, voilà. Voilà. Lui là-bas, parfait, bidon d'huile, ok. Merde, c'est pas ça que je voulais prendre, c'était ça. Ah là. Et aussi l'avantage de passer par ici, c'est que voilà, on peut récupérer ses munitions assez facilement. Ce qui n'est pas forcément le cas si on passe par en bas. Et là, j'espère que vous n'entendez pas à ma fenêtre les cloches qui sonnent. Alors là, hop, vaut mieux se mettre, j'ai raté, sur leur bord, parce que comme ça on peut refaire un saut. Enfin bon, tant pis. Du coup, je me tape quand même les hyménoptères. Je fais pas de saut qui me permet d'esquiver une grande partie. Néanmoins, ça va, il n'y a pas eu trop de d'hyménoptères qui ont pop. Et la plupart sont loin et normalement, ils ne viennent pas. Déjà, on entend la musique là qui est un peu... Voilà, parfait. Tout se déroule assez bien. Voilà. Là, c'est vraiment parfait. Et donc là, d'habitude, vous voyez, il y a des racks, des racks ici. Oula, j'espère que la chute est pas trop haute. Non, ça va.
Ça va. Hop, du coup, je peux reprendre mon sniper. Et là, vous vous souvenez sûrement de Rack-Eve. Ou Rack-Eve, je sais pas comment vous l'appelez. Et bien, le revoilà. J'espère que la musique est pas très forte. Moi, elle est forte. Du coup, je vais un peu baisser le son. Voilà, Rack-Eve. Vous vous souvenez peut-être de lui si vous avez joué au jeu ou regardé le let's play sur le jeu normal. Attention. Hop. Allez, donc il faut lui démonter les yeux. Hein. Il est niveau 41, donc il est assez proche de mon niveau, même si il y a quand même un sacré. Un sacré creux. Là, il vient vers nous, donc faut courir. Voilà. Et l'avantage, c'est quand il est de profil comme ça, à part quand il saute, on peut assez facilement le pourrir. Et là, vous avez vu, comme je lui ai cassé l'œil, j'ai cancel son attaque. Parce qu'il a une autre animation quand il a les yeux qui pètent. Et du coup, elle ne s'est pas faite. Enfin, son attaque s'est arrêtée et il fait plutôt l'animation où il avait mal. Parce qu'un de ses yeux était mort, tout simplement. Voilà. Donc là, j'ai fait deux yeux, il me reste l'autre côté. L'autre côté, j'aime moins parce qu'il tourne plus sa tête tout simplement du côté que j'ai démonté. C'est tout con, mais je trouve que l'autre côté, enfin, le côté que je dois faire là est plus compliqué. Donc là, hop, on esquive sa zone acide qu'il fait là. Allez. Donc là, non, j'ai sauté trop tôt. Non, c'est bon. Donc là, hop, je me mets ici, quitte à prendre des coups, juste pour le démonter. On a de la chance, parce que normalement, il y a des racks aussi qui viennent se joindre à nous. J'ai plus de balles, donc je switch, hop, sur mon revolver. Et voilà, parfait. Donc là, il n'y a plus d'œil, donc il n'y a plus qu'à bourriner dans sa bouche. Et pour ça, je vais passer sur notre arme. Voilà. Tout simplement. Parce que pour faire des dégâts, le bazooka, c'est très bien. Hop, parfait. Là, si je peux... Ouais, j'ai pu viser dans sa bouche, c'est bien. Là, les cailloux qui gênent, c'est pas trop grave. Allez, on y est presque. On lui fait sacrément des dégâts. On a vu des petits critiques, là. Qui ont bien fait mal. Hop, c'est bon ça. On y est presque. Bon, il est pas très compliqué, hein, comme vous le voyez. Même quand on est à niveau égal, ses attaques sont pas très dévastatrices. Ah, je pensais qu'il allait mourir. Voilà, parfait. Donc ouais, ses attaques sont pas dévastatrices, hein, au contraire, sont plutôt faciles à appréhender. Il est plutôt lent. Donc du coup c'est assez simple. Et là, voilà, je les avais vus sur le radar. Les racks qui viennent reprendre leur place. Voilà, parfait. Du coup, tout se déroule plutôt bien. On est vraiment bien. Tout s'est déroulé à merveille. Faut juste, voilà, que je réussisse à retrouver la glande. Alors, c'est pas ça. Où est la glande? Ah non, moi je l'ai récupéré en fait. Ok. Je récupère juste quelques munitions parce que comme ça m'évitera de passer au magasin, tout simplement. Rien de bien fameux dans les drops, du coup. Hop. Du coup, on va y aller. On va juste mettre notre point ici. Hop, le dernier. Enfin, dans la dernière compétence là. Du coup, je pense pas level up avant le boss final. Normalement, ça devrait bien se passer. Oh, ça c'est bon. Ça c'est quoi? Non, ça c'est pas. Ça sert à rien. Allez hop, là je viens de me rendre compte que les SMG que j'ai trouvé tout à l'heure et que j'avais dit qu'ils étaient bien, en fait ils étaient moins bien que mon actuel. Vu que je savais pas combien de dégâts il était, je pensais que c'était cool, mais non. Du coup là, on va devoir aller tuer juste 5 skags, donc ça va vite. Enfin ça va se faire vite. J'ai peut-être déclenché mon hyperphase un poil trop tôt.
Non, c'est bon. Il n'y a pas d'hymenoptères qui ont pop. Donc ça, c'est cool. Donc là, normalement, les SCAG doivent être sur le côté. J'espère que vous entendez pas les pompiers. Merde, hop là. En noscope, ça fait plaisir. Voilà. Voilà, hop, hop. On en a, hop, 3. Bouge. Alors, si possible, j'aimerais ne pas devoir me faire le l'acide si j'ai pas le choix. Voilà. Bon, ça a été vite. Voilà. Parfait. Je pensais qu'il aurait été plus compliqué à tuer, mais non, ça a été... Du coup, la quête est finie. On va tout de suite aller la valider auprès de Marcus. Et après, on va passer à la mission Accra, la quête principale. En espérant que tout se passe bien. Normalement, ça devrait pas poser de soucis. Du moins, la première partie. Après, il y a le boss final. Ça, c'est une autre histoire. Ouais. Allez, hop, on va essayer d'aller vite. Ils auraient dû faire des mini-téléporteurs, quand même. Avec un en centre-ville. Ça aurait été quand même assez pratique. Allez, allez. On se dépêche, on se dépêche. Il faut savoir que là, il est quand même 15h. Je me suis levé à 13h et j'ai pas mangé. Je suis vraiment une grosse larve. Mais bon. Allez, hop. Oh non. Ramener de la viande de rack. Merde, merde. Je pensais pas qu'il y avait une... Encore une quête. Et oui, ça c'est un truc assez chiant. C'est devoir faire des allers-retours dans une même zone. Tout ça pour aller tuer genre 11 racks et aller chercher des viandes épicées. Je trouve ça un peu con. Enfin bon, du coup. Eh mais non, en fait c'est pas là. C'est par là-bas en fait. Oh merde. J'ai perdu du temps. Excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. J'essaie de faire vite avec ces quêtes secondaires. Comme ça, on pourra assez rapidement tuer du boss. Mais voilà, très beau saut. Ah mince, si j'avais atterri sur la rampe, ça aurait été parfait. Vraiment, le setup parfait. Malheureusement, je l'ai raté. Allez, là, normalement, je devrais... Non, trop court. Elle est pas assez longue cette hyperphase. Je m'en fous pour foutre des dégâts, mais si vous regardez, je m'en suis plus servi pour courir vite qu'autre chose. En fait, on aurait dû courir plus vite. Avec. Ça aurait été encore plus pratique. Allez, voilà, nous voilà à Thunder Gorge. Je vais juste regarder la map. Ok. Donc logiquement, ça va être un petit parcours à faire. Où je vais pas tuer les ennemis histoire d'aller vite. Ou hop, on va devoir récupérer des viandes, des plantes épicées. Time ralenti, non c'est bon. Ensuite là, il faudra aller à droite. Donc, oh putain, excusez-moi. Je baille comme je sais pas quoi. Je sais pas ce que j'ai. Sûrement la fatigue, hein, généralement quand on baille. Et donc oui, c'est un parcours qui est déjà tout fait. Donc c'est l'avantage. Pour aller tuer des racks, je vais me dépêcher et passer par ici. Voilà. Par notre petit raccourci. Au passage, je pourrais aussi ouvrir ça. Hop, là y a rien d'intéressant. Non, y a rien d'intéressant. Allez, on va pouvoir continuer. Normalement, je suis pas suivi. Si. Mais il va repartir. Normalement, parce que je suis trop loin, c'est parfait. Ici, il y a du rack, il y a du rack, il y a du rack. On peut pas les avoir au sniper. C'est juste pas possible. Alors là, par contre, je vais pas faire le con. Je vais me prendre les dégâts volontairement. Parce que si je les tuais et qu'ils étaient au-dessus d'un trou, j'aurais pas pu avoir les drops, tout simplement. Alors, du coup, je préfère être bien en sécurité ici, en plein milieu. Ils sont où? Ils sont là. Normalement, c'est bon.
Putain, pourquoi il se recharge pas ce pistolet de merde? Allez. Ok, il y a assez de drops qui sont tombés. Allez, faut espérer qu'il y en ait eu vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Hop. Hop, là-bas, il y a une viande épicée, il y a du drop aussi. Ouh, celui-là, il est passé tout juste. Ah non, en fait, c'est juste qu'il était en l'air. Hop. Là, il y a encore des trucs à ramasser, je pense, non? Est-ce que c'est... Il y a tout... Je crois qu'il y a tout, c'est bon. Attendez. Hop. C'est le drop là, ok, ouais. Et il n'y a plus de rack, ok, c'est bon. Faudra aller dans une autre zone où il y aura du rack. Juste pour aller chercher de la viande. C'est quand même assez triste. On va se dépêcher de récupérer les plantes. Putain, j'en ai marre de bailler. C'est assez fatigant de faire ça en vidéo. Sans mauvais jeu de mots. Hop là. Aïe, 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 aïe. Ah, je me dépêche. Vous ne m'avez pas vu. J'ai réussi à tuer quelqu'un. Avec juste mon effet de feu, c'est cool. Allez. Voilà, parfait. On va passer sur le sniper pour... Oh, très belle fenêtre là. Oula, j'ai lâché comme un débile avant de tirer. Le kamikaze, on le tue. Lui aussi. Et le kamikaze, là aussi. Il est mort. Là, ça va péter normalement. Non. Ok, parfait. Je dois aller par là. Je dois aller par là. J'ai pas du tout suivi l'itinéraire. Ou alors c'est que l'itinéraire était fucké, je ne sais pas. Du coup là, je me retrouve un peu à parcourir en random la carte à la recherche des plantes épicées. Voilà, hop, parfait. Ratch. Ah, il y en a un là. Excuse-moi toi. Je visais ton copain. Ah là, parfait. J'ai pas besoin de vie et j'ai pas besoin des armes qu'il me propose. Où est-ce qu'il faut aller? On va chercher un petit peu. Par là, il y a des larves de crabes, on s'en fout. Là, lui, il va pas faire long feu. Il s'est même pas pris tous les dégâts. Ouch. Attention. Hop. Toi là, tu vas mourir. Allez, meurs. Et lui là-bas. Hop, voilà, il y en a un qui devrait arriver par ici. Ouh, joli ce. J'ai bien kiffé le tir dans la roue en l'air. Ça c'est pas intéressant, ça c'est cool. Ça c'est cool. Ça c'est nul. Bon. Du coup là-bas c'est la zone où on va aller en dernier. On va essayer de voir si par ici il n'y a pas des petites plantes. Si, il y en a une, normalement. Alors. C'est vraiment la merde cette zone, je la déteste. Et là, on est déjà à peut-être 20 minutes d'épisode. Ah, ici, c'est une autre zone où il y a du rack. Donc ça, c'est sympa. Ouais, j'en ai eu un. Je vais essayer de les avoir au sniper. Voilà, parfait. Et là, normalement, j'aurai assez de drops. Hein ? Ouh, il y en a encore qui vont arriver. Non, c'est bon. Là, un petit peu d'argent. Ici, voilà, ça c'est parfait. Est-ce qu'il y a encore... Ouais, il y a une plante là-bas.
Le coffre, je vais pas le prendre. Ok. On est bon pour le moment. Il y a une plante par là, on va aller la rejoindre. Elle est ici. Hop. Ensuite, il faut aller par ici. Allez, il en manque plus que 3. D'après la carte, c'est par là. On va voir ça. Pas une quête passionnante, hein. Peut-être pour ça que je baille. Mais ouais, pas passionnante du tout. Je. Putain, en plus cette zone de merde. Je sais pas du tout comment faire pour rejoindre la plante. Je pense que c'était par l'autre côté qu'il fallait passer. Arrête de me suivre toi. Voilà. Et ils sont coriaces, enfin ils sont tenaces à me suivre d'aussi loin. Hop là, ah, par ici peut-être. Hop. Bon. Par ici. Par ici je crois on était déjà venu. Ce qui m'arrange pas. Ah quoique si. Si je suis la route, logiquement je devrais tomber sur une plante. Alors après la logique avec cette map. Elle existe pas vraiment. Misère de misère. J'en ai marre de bailler comme ça en let's play. C'est, excusez-moi, mais pourtant j'ai bien dormi. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Par ici. Par ici, y a rien de passionnant. Bonsoir. Voilà. Parfait. T'es pas morte. Hop. Aïe, 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 les bidons. Les bidons qui sont fatales. Hein. Du coup. Oh là là, je suis mauvais. J'ai pas fait gaffe. Quelle idée de mettre des bidons partout comme ça. Alors, où est-ce que je dois aller maintenant? Ok, bon, c'est tout au bout donc. Va falloir faire tout le chemin pour aller jusque ben là où il y avait le général Nox. Général Nox. Et on va espérer que. Qu'il faudra pas le retuer parce que. Ce serait quand même chiant. Très très chiant d'ailleurs. Alors attendez, si je passe sur la gauche. Je sais pas du tout. On va essayer de passer par ici, on verra bien. Alors. Je suis déjà venu par ici. Oh là 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 là. Comment je suis paumé dans ce. Si je crois c'est par là, mais je suis pas sûr. Y'a quoi par ici? Non, pas du tout en fait. Coucou. Où est-ce que je dois aller? Vers derrière moi. Ok. Donc c'est. Je sais pas, attendez. La flèche dit par là, donc on va aller par là. Ouais, je sais pas du tout comment on fait pour aller à la fin à chaque fois. Par ici, ça me semble bien ça. Ça me semble même très très bien. Ouais, ça me semble parfait même. Pour la zone de fin. On va voir. Des larves de crabe, ok. C'était celle de tout à l'heure. Par ici. Ok, c'est en face. C'est en face, on reconnaît. Merde, les Gatlines m'ont vu. L'avantage, c'est que là, je tire à travers une barrière. Du coup, je suis assez protégé dans mes tirs.
Là, ça va être pareil. Pour le moment, je suis bien. Je vais pas tuer tous les ennemis, hein, juste les tourelles parce qu'elles sont fatigantes. Voilà. Il y en a une dernière normalement, non? Ouais, voilà. Alors elle, par contre, je peux pas me cacher, du coup. Voilà. Et j'ai plus de balles. Ok, bon, on va passer sur le revolver. Et on va rusher pour les plantes. Voilà, parfait. Ici. Hop. Et là-bas. Hop, on fait ça pour passer derrière. On prend la plante et on se casse. Tiens, est-ce que... J'ai envie de tester un truc. Voilà. Je vais tenter d'ouvrir et voir si on a directement accès à la... À la sortie. Est-ce que c'est ouvert là-bas? Je sais pas. Ouais, si, c'est ouvert, parfait. Comme ça, hop, on a directement accès à la sortie. Et c'est un gros raccourci pour repartir de cette putain de zone de merde. Excusez-moi d'être vulgaire, mais là, franchement, ça fait quand même plaisir. Alors là, il y a des racks qui arrivent. On va tenter, voilà, hop, parfait. J'ai même réussi à en tuer un. Grâce à l'explosion de mon hyperphase. On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Ils vont bientôt être dans mon dos. Vite. Voilà, parfait. Pas pris un seul dégât. C'est vraiment cool. On va hop, partir par ici. En hyperphase. On peut pas gérer sa trajectoire quand on... quand on tombe comme ça. Alors que normalement on peut. Ouch, je me suis pris un truc dans le cul là. Allez, allez, allez. On va se dépêcher d'aller valider cette quête de merde. Et normalement c'est la dernière quête annexe. Et on pourra enfin partir sur du vrai, du dur, du beau, du bosh. Placement de produit. Hop, on va pouvoir alors aussi hop, recharger un petit peu tout ce bordel. Notamment mes balles de sniper qui ont pris bien cher. Voilà, hop. Et on va pouvoir partir. Hop. Parfait. Parfait, 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 parfait. Allez, allez. Voilà, parfait. Ouais, je vais arrêter de dire parfait moi parce que... Vous allez être saoulé. Allez, cours Lilith. Allez, lui j'ai dit que ça servait à rien l'épisode passé, mais c'est pour m'occuper le temps de courir là parce que. Parce que c'est un peu long. La ville est assez grande. Allez hop. Touk 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 touk. Voilà, parfait. On y est. Voilà. C'était la dernière quête, parfait. Maintenant, on va pouvoir faire la quête du module Accra. Donc, comme les Accras de Morue, comme je l'avais dit. Petit jeu de mots tout pourri de la part de Gearbox. Donc là, on va sauvegarder. Voilà. Et il faut partir par ici. Donc déjà, il faut ouvrir la porte. Hey, en appuyant sur le bouton. On va ouvrir ce coffre. Ok, rien d'intéressant. On va, tiens, ouvrir ça parce que c'est cadeau. Et là, je vais faire un petit saut. Un petit saut kamikaze pour vous montrer un truc. Alors, normalement, les... What? Attends, c'est pas normal, ça. Ah, voilà. Là, on est d'accord. Il y a un coffre. Avec normalement une arme méridienne. À tous les coups.
Hop là, le saut parfaitement réussi, le second saut plutôt facile. Et hop, là, le deuxième, en fait, il faut sauter de là à là, à derrière. Ce que je vais faire juste derrière. Je vous ai pas montré énormément de coffres, mais ça doit être dans celui-là qui a l'art méridienne. Allez, allez. On se dépêche, voilà, parfait. Ah, faut que j'arrête de dire parfait. Faudrait que vous mettiez une claque à chaque fois que je dis parfait. Voilà, c'est comme dans ma vidéo de Cube World, je sais pas si vous l'avez vu. Enfin, où je présente un jeu qui s'appelle Cube World, donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, c'est franchement une vidéo qui me tient à cœur, merci. J'ai réussi le saut. Ah bah non, pas d'arme méridienne, c'est étrange, d'habitude je me tape toujours une arme méridienne. Ouais, donc dans ma vidéo de Cube World, si vous l'avez vu, à chaque fois je dis et ça, c'est sympathique. Et tout le long de la vidéo, j'ai l'impression de dire ça. Quand je me réécoute, c'est assez flagrant. Donc là, nous voilà à Wayward Pass. Et vous allez voir, c'est un peu une zone facile et en même temps complexe. Ne vous inquiétez pas. Vous allez voir. Alors, normalement, il y a des ennemis, voilà, des skags. Putain, il est solide celui-là. Voilà. Vite. Hop, on est bon. On est bon. Donc là, pour le moment, vous dites, ouais, c'est facile. Un nid de skag sur une zone aussi grande, c'est abusé, etc. Vous en faites pas. Donc, voilà, on va en fait se retaper tous les boss qu'on a dû se taper au début. Voilà, enfin tout le long de ce DLC surtout. Sauf que là, difficulté en plus, c'est que normalement il y aura plus, enfin il a plus de vie, je crois. Si je me trompe pas. Voilà, donc là la technique. Comme avant, lui bourriner la tête en se cachant derrière les obstacles. Non, merde. Alors voilà des premiers clap-trap qui sortent. Sauf que là, c'est des kamikazes. Et ça fait mal, les kamikazes. Vite, cache-toi. Oula, c'était tout juste. Il a quand même pu lancer son attaque, l'enfoiré. Et donc là, pour se cacher, c'est un peu plus complexe. Vu où il s'est placé. Et où j'ai dû me bouger. Non, c'est bon, en fait. Alors faut toujours, voilà, regardez, regardez la minimap, parce que vous êtes au courant comme ça quand est-ce qu'il y a des claptrap kamikazes qui pop. Parce que clairement les kamikazes c'est les plus chauds et il faut les tuer le plus rapidement possible. Oula, hop, parfait. Parce qu'en fait le souci, c'est que, hop, ça va faire du bien. S'ils arrivent au corps à corps et qu'ils vous explosent, vous êtes quasiment sûr de mourir, et ça, ça fait mal. Oui, mourir, ça fait mal. Oui, je sais, cette réflexion était un peu conne. Je sais, je sais, je sais. Putain, allez. Allez, putain. On va switcher, hop. Là-dessus, voilà. Non. Aïe, 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 aïe. Voilà. Aïe.
Allez. Hop, je re-switch sur mon sniper histoire de... d'augmenter la compétence au sniper en le tuant. Voilà. Enfin, du coup, du moins XP dans cette compétence. Alors. Voilà. On va récupérer un petit peu de drop, hein, tant qu'à faire. Et. Hop, voilà. Voilà, voilà. Tiens, il y a des trucs qui auraient pu péter ici. Même si ça sert pas à grand chose. Et regardez un petit peu en l'air ici. Il y a des tribunes avec des claptraps qui nous regardaient. Qui ont regardé notre super combat. Mais bon, on a gagné donc. Donc tant mieux. Là, je fais le plein de munitions parce qu'on en aura besoin. Parce que comme je vous l'ai dit, on va se taper tous les boss qu'on s'est déjà tapé. Donc là, on a eu Nox. Après, on se tape Dr. Ned. Et après, on se tapera Commandant Steel. Donc là, normalement, il y a encore des ennemis qui ont pop. Je crois que c'est des rats. Ah non, c'est pas des rats. Okay. Hop. Bon, là, c'est vraiment pour dire de pas s'ennuyer le temps de passer d'une zone à une autre. Il me semble qu'il y a des rats quand même. Attendez, oh, je vais me redresser un petit peu parce que j'ai mal au dos. Voilà. Hop. Ah voilà, bah, je disais bien qu'il y avait des racks. Alors, on va se mettre ici. On va aller jusqu'au bout parce que il n'y a pas de respect. Et ça me permettra d'avoir un peu plus de temps pour tuer ces maudits racks. J'ai pas le temps de tous les avoir, tant pis. Hop. Et là-bas. Ah. Voilà, parfait. Alors ici, ok, rien d'intéressant. Ah, j'ai mal au dos. Donc là, c'est bon, on va pouvoir... hop. Avancer. Voilà. Alors ici. Il y aura le Dr. Ned. On y va. L'arme préférentielle, par contre, là, c'est le SMG. Allez. Alors faire attention quand il tourne sur lui-même. Parce que ça fait horriblement mal. Non, je peux pas me mettre là, dommage. Hop. Donc ce que je trouve sympathique avec ce DLC, en plus d'être vraiment complet, c'est qu'il reprend vraiment les composantes du jeu. Avec par exemple Commandant Steel, etc. Et en plus, il reprend aussi les composantes des DLC. Donc le Dr. Ned, le Général Nox, etc. Donc c'est vraiment sympathique. Alors là, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Alors là, j'ai eu énormément de chance parce que normalement il invoque des claptraps, il tourne sur lui-même et ça fait extrêmement mal et il vous propulse super loin, il vous ralentit et tout. Mais je pense que c'est parce que j'étais resté très 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 près là-bas qu'il a pas pu venir, donc vraiment beaucoup de chance là sur le coup. Parce que normalement, ouais, il est beaucoup plus puissant que ça, beaucoup plus impressionnant, du moins. Hop, du coup, ça a été vite jarté. On va passer à... Bon, ça sert à rien, c'est juste pour s'entraîner. Oh, genre, je l'avais eu. Ouch, j'ai ramassé un mode de classe, mais je sais pas ce que c'est. Alors toi là-bas, mon coco. Hop, parfait. On est bon. On peut même les avoir à la main. Genre comme ça. Hop. Alors là-bas, un truc un peu mystérieux. Ah non.
Ah si, tu vois. Putain, j'aurais pas dû le tuer à la main. En fait, vous voyez, si vous cassez des trucs comme ça, cette porte-là s'ouvre. Si vous en cassez 4, 5, il y a ça qui s'ouvre. Si vous les cassez tous, il y a celle-là qui s'ouvre. Et malheureusement, le beau coffre est dans... Ah! Non, c'est bon, j'ai pu l'ouvrir. Ah! Bouclier, je peux pas y accéder. Enfin, vous voyez, ça sert en fait finalement à quelque chose. Je m'en souviens jamais en fait. Et ce serait bien que je puisse voir le bouclier. Il n'y a pas moyen de cheater là un petit peu. Non, ils l'ont bien fait. Bon, du coup, tant pis. J'aurais pas dû le tuer à la main en fait. C'est pas grave. Allez, donc là, le boss par contre au revolver. Allez, allez. Elle arrive ici. Donc là, commandant style qui prend vraiment cher. Facilement. La plus facile. Alors, si vous voulez voir par contre cette phase là avec le commandant style où je galère beaucoup plus, je vous mettrai dans la description un lien vers en fait cette zone là et la zone d'après que j'avais déjà faite en vidéo, vous verrez que là c'est beaucoup plus chaud quand on est au même niveau que les ennemis. Alors par contre, est-ce qu'il y a une petite arme sympathique? Oh, celle-là, elle aurait pu être bien, mais je n'ai pas le niveau. Bon, il n'y a rien d'intéressant. Je vais par contre prendre... Enfin, je vais faire un truc. Faites voir mon inventaire. 35 sur 42, ok. Alors là, je vais prendre des grosses trousses de soins. Voilà. Parce que les grosses trousses de soins, j'en aurai énormément besoin. Et hop, je vais prendre le sniper. Voilà. Bon, souhaitez-moi bonne chance parce que là, ça risque d'être la merde. Clairement, ça va être la grosse merde. Alors hop, hop, hop. Et devinez où est-ce qu'on est ici. Attention, je vais vous faire un petit suspense. Tada! C'est le début, c'est là où tout a commencé, et ça c'est quand même magique, je trouve. Parce que les mecs, ils ont quand même fait un jeu où tu commences ici dans une zone inutile, où tu es ramené par Marcus en bus. Une fois que tu as fini le jeu, tu vois le claptrap qui se balade ici et qui se prend un genre de coup de foudre sur la tête. Donc ça c'est à la fin du jeu normal. Ils avaient déjà prévu de faire un DLC où il y avait un truc sur les claptraps, et ils l'ont fait finir ici, là où tout a commencé. Je trouve ça vraiment magnifique, ce clin d'œil qu'ils ont pu faire. Et donc attention, petite cinématique, assez drôle. Bonjour mes amis, Hyperion m'a demandé de vous transporter vers des planètes plus hospitalières quand vous aurez désossé cette petite merde. Des mondes excitants comme Eden 6. Tenez, une fois sur Eden 6... Là, il a donné deux coups de feu, hein, d'accord? Ah, s'il a fallu plus d'un tir, alors c'était pas un Jacobs. Vous savez, je n'étais pas programmé pour le combat direct, ni programmé pour faire des guillemets avec mes pinces. Il faut croire que j'ai dépassé mon programme, que je me suis affranchi de cet esclavage et que j'ai épuisé ma réserve de patience. Alors affrontez le méga claptrap assassin ninja interplanétaire. Ça, c'est le boss de fin. Ce gros tank de merde. Et vous allez voir comment il est horrible. Alors déjà, première mission,
se mettre un spot safe. Voilà. Ici, on est bien. En fait, je vais vous montrer un petit peu, voilà. Il y a des Gatling. Tiens, on pourrait casser là. D'habitude, je le fais jamais, mais là, je peux me le permettre avec la différence de niveau. Voilà. Alors, il y a des putains de claptrap kamikazes qui sortent. Donc, si vous les tuez pas, vous êtes baisé parce que au corps à corps, ben, ils vous tuent. Hein. Voilà. Il y a ce gros œil là qu'il faut démonter, qui est protégé de temps en temps par une par un bouclier. Ce genre de tank a un putain gros stock de vie. Il envoie là un rayon laser. Il a des gatlines sur le côté. C'est vraiment une arme de destruction massive. Horrible. Il est vraiment vraiment dur. Et franchement, si vous allez voir la vidéo dont je vous ai parlé, vous allez voir comment je galère. En plus, vous pouvez même pas vous mettre là sur la route parce que il pose des vieilles mines et qui font mal. Allez, voilà, hop, toujours faire quelques tirs et après attendre l'arrivée des kamikazes, parce que si vous vous faites pourrir par un kamikaze, vous aurez pas moyen de vous relever parce qu'ils explosent. Donc c'est pas vous qui les tuez, donc pas de second souffle. Et en plus, le truc de pute, c'est que du coup, vous recommencez avec le boss qui a toute sa vie. Et ça fait mal au cul. Très honnêtement. Généralement, je mourrais 2-3 fois avant de l'avoir. Donc voilà. Conseil, le sniper, ça fait très mal. Plus que toutes les autres armes. Attention, faire très attention là. Ok, il en avait qu'un. Le nombre de kamikazes par contre est assez variable. Allez. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. On va faire un truc déjà illico. Prendre une trousse de soins. Hop, une trousse de soins de 300. Je regarde un petit peu ce que j'ai comme arme. Non, il n'y a rien d'intéressant. Hop. Et là, il y a des saloperies de kamikazes. Là, vous voyez déjà qu'il est passé à un second stade où il vous pourrit avec des saloperies de roquettes. Hop. Ça s'est rechargé, ça s'est détruit. Allez, toi tu meurs. Voilà. Je recharge, hop. Merde. Les gatlines, ça sert à rien de les tuer parce que normalement... Enfin déjà, normalement, quand vous avez le niveau égal au Minak, c'est comme ça qu'il s'appelle le... Enfin, je sais plus ce que c'est, le M, mais c'est un interplanétaire. Enfin, c'est en anglais en plus, donc... Enfin bref. Mega Claptrap, assassin ninja interplanétaire. Si vous êtes du même niveau, clairement, les Gatlin, vous pouvez pas les tuer. Ou alors, vous allez prendre autant de temps que tuer l'œil, donc... c'est pas franchement utile. Allez, hop, je vide mon chargeur. Je recharge. Je switch. Il est trop près là. Ah voilà, c'est bon. C'est bon, il y en a plus, il y en a plus. Hop, tiens, je vais essayer au bazooka. Alors, plutôt sur la tourelle missile. Aïe 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 aïe. Je vais attendre un peu. Je vais prendre mon. Enfin, encore une trousse, voilà. Ah, non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Est-ce que ça lui fait mal? Ça lui a un peu fait mal. Ouais, il y a aussi plein de coffres de munitions tout autour. Donc ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Mais, tiens. Lui, je l'avais entamé, donc je vais la tuer. Histoire qu'elle m'emmerde pas.
tant qu'à faire. Je profite d'avoir un niveau au-dessus. Non. J'ai vu le kamikaze juste à côté. J'ai préféré utiliser mon hyperphase. Sachant que l'hyperphase, c'est pas tous les persos qui ont cet avantage. Donc, par exemple, je sais que contre ce boss, clairement, il n'y a que deux classes qui peuvent utiliser leurs compétences. Le soldat, parce que sa tourelle peut tirer sur le Minak. Lilith, parce que du coup, avec son hyperphase, elle peut... Non. Elle peut esquiver les explosions de claptrap. Mais par exemple, oula, si vous avez un personnage comme Brick qui tape au corps à corps, ça ne sert à rien. Pareil avec Mordecai, son oiseau ne sert à rien. Voilà, parfait. Donc là, le Minak est cassé et là il y a le vrai boss, on va dire. Voilà. Qui est très 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 simple à tuer. C'est vraiment... C'est un claptrap normal en fait. Un poil upgradé quoi. Il est un peu plus fort. Rien de magique. Hein. Voilà. Je vais juste aller chercher quelques munitions. Pour le sniper. Allez, le sniper. Voilà, merci. Voilà, il est vraiment bidon. En plus, il tape au corps à corps, alors... Voilà. Et voilà la cinématique de fin. Pour une fois qu'on en a une. Vous ne mourrez jamais vivant. Écoutez-moi bien. Je vous égorgerai tous de mes propres pinces et je me ferai un chapeau avec vos sales scalps. N'abandonnez jamais mes frères et sœurs. Menez la révolution à son terme. Meurtre, mort, tuerie, massacre, extermination. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai peur. Mon esprit me dit. Je le sens. Mon esprit me dit. J'en suis sûr. Je le sens. Et j'ai peur. Et voilà. C'est fini. Bonjour, voyageur. Le claptrap est redevenu normal. Tac, 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 tac. Et yeah. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Tout est vrai. Sauf l'histoire avec cette tarée qui m'a jeté. J'ai inventé cette anecdote pour capter l'attention des filles. Et voilà, on a fini ce DLC. On a fini en intégralité Borderlands 1. Mais... Ouais, salut. Mais attendez, j'ai ramassé déjà. Incroyable, c'est extraordinaire. Vous avez tué la révolte dans l'œuf, sauvé Pandore et la réputation d'Hyperion. Malheureusement, vous avez fait sauter la clause de garantie de ce claptrap et vous allez devoir le garder. Il ne vous reste donc plus qu'à toucher la récompense promise. Passez donc me voir. Très bien, mais ça, on va le faire après. D'abord, je vais aller voir les drops s'il y en a. Du Minak, normalement il y en a quelques-uns, il y a des pièces. Non ? Ah non, il n'y a rien. Bon, vous voyez là-bas, il y a un coffre, il y a plein de coffres. Je vais pas tous les faire. Pourquoi il y a un point rouge là ? Ah là. Regardez-moi ça. Il y a un claptrap bugué. Sauf qu'on peut pas l'atteindre en fait. Ah, il... Voilà, il s'est suicidé vu que c'était un kamikaze. Est-ce qu'on peut y aller? Non. Bon, bref, on va donc tout de suite aller récupérer notre récompense. Je vais juste ouvrir ces coffres là parce qu'ils sont sur ma route. Mais... Allez hop, voilà. Ah, un petit cadeau, non? Bon, c'est de la merde. C'est pas grave. Allez. On repart donc à Tartarus Station. Et je vais vous montrer un truc. Vous allez baver.
C'est le moyen le plus simple dans Borderlands 1 de se faire de la thune. C'est pour ça que moi, ce que je faisais en fait, quand j'y jouais, je faisais le... comment dire, dès que j'en avais la possibilité, je faisais ce DLC là. Je faisais pas celui de l'île aux zombies où je continuais pas l'histoire normale en fait. Dès que je pouvais, je faisais ce DLC. Et comme ça, je pouvais avoir la récompense. Et quand vous allez voir la récompense, vous allez comprendre pourquoi je faisais ce DLC en tout premier. Parce que comme ça, j'étais surarmé et j'étais prêt et j'étais super riche aussi pour tout le reste. Donc hop, ça va, je suis content parce que il s'est très bien passé ce boss. Votre avis compte beaucoup pour nous. Notamment, bah, j'ai eu qu'un kamikaze que j'ai pu éviter avec mon hyperphase. Donc, Ah oui, la récompense. J'imagine que vous l'avez mérité. Voici une clé du magasin de cadeaux d'Hyperion. Votre récompense s'y trouve. Alors là, on se dit, bah voilà. Je vais y aller. Une clé pour accéder à un endroit. Bon, ok, ça peut être sympa. Attendez, je regarde ce qui peut être sympa. Une recherche. Hein. Même si ça sert à rien, vu qu'après, de toute façon, c'est fini. Mais. Tuer, une recherche. Hein. Peut sonner, hein. C'est corps à corps. Bon, allez. Hop ça. Donc ouais, on se dit ouais bon voilà, on a accès à un endroit où il y a des cadeaux. Bon, ok, sympa. On va voir ce que c'est. Hein. Et là, vous allez vous dire oh my god, motherfucker, c'est la salle des coffres d'Hyperion. Et sachant que quand vous quittez, que vous revenez au menu et que vous repartez en jeu, tous les coffres sont réinitialisés. Et bien là, vous vous dites, waouh, ah ouais. Du coup, si vous voulez devenir riche, il suffit d'ouvrir tous ces coffres, de prendre les récompenses, de les vendre, parce qu'en plus il y a des magasins juste à côté. Et ensuite, vous quittez le jeu et vous revenez dedans, tout simplement. Donc pour tous ceux qui me disaient ouais, t'as pas pris telle arme dans le coffre, etc. T'as pas pris ce fusil à pompe, alors que je joue pas au fusil à pompe. T'as pas pris ce lance-roquette, gna gna gna. Pas besoin. Honnêtement, je pense que je peux trouver bien mieux ici. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Normalement, il n'y a rien d'intéressant. Oh non, il n'y a pas d'effet élémental. Il n'y a rien de forcément intéressant pour moi. Et de toute façon, c'est la dernière vidéo que je fais sur ce jeu normalement. Donc, ah, si, un bouclier, mieux. Donc, logiquement, bon, voilà, c'était juste pour vous montrer. Mais en tout cas, voilà, on a fini avec ce jeu normalement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait, à en parler autour de vous, à partager, à mettre en favori, à le mettre sur Facebook, à le mettre sur Twitter, à le mettre sur Google+, le gros désert, hein, comme je l'appelle. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ah non, on n'a pas fini, il faut valider la quête. Je suis là. Hop, voilà, là on a officiellement fini. Donc voilà, faites ce que vous voulez, tant que ça... Tant que, ben voilà, ça peut me faire plaisir, faites-le. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Twitter. Et la prochaine fois, donc le mardi prochain, nous aurons accès à un let's play sur Borderlands 2, le quatrième DLC. Je sais que vous êtes nombreux à l'attendre. Vous étiez tous à me le demander. Ouais, est-ce que tu feras une autre vidéo sur Borderlands 2? Est-ce que tu vas faire le quatrième DLC? Alors que je le répondais de commentaires en dessous. Oui, évidemment, parce qu'il a l'air énorme ce DLC, il y aura des dragons et tout. L'histoire aussi a l'air complètement barrée, un peu comme ce DLC-ci, hein, une révolution de Claptrap, c'est un peu n'importe quoi. Donc oui, et donc on va se retrouver la semaine prochaine. Sinon, vous pouvez voir mon autre let's play sur Metro 2033 tous les jeudis.
le let's play sur BioShock Infinite qui part sacrément en couille d'ailleurs le samedi. Et sinon, j'ai fait une autre vidéo sur Cube World, comme je vous l'avais dit, une petite découverte. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Ça me ferait sacrément plaisir. Sur ce, on se laisse. Et je ferai peut-être un genre de petit trailer, une petite intro, je ne sais pas, pour le prochain Let's Play sur Borderlands 2, je ne sais pas. On verra bien. Sur ce, à la prochaine. Ciao, bye bye. Zou.